Merci, bonsoir à tous. Moi, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un an que je ne vous ai pas vu, je suis ravie. Par contre, je suis un peu déçue parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis un peu crevée, je suis désolée. C'est pas le décalage horaire, non, pas du tout, c'est parce que je rentre de vacances. Voilà. Oui, alors vous allez me dire, évidemment, normalement, les vacances, c'est fait pour se reposer, mon cul. Ah mais non! Oui, non, moi, j'ai pas pu parce qu'en vacances, j'étais avec des... Il y avait des... Ah, merde, des... Ah, hein, fille avec des bras là, comme ça, des petits machins hein, roses. Et qu'est-ce qui fait du bruit là, des enfants, voilà, je le savais. Oh la conne. Des enfants, et moi j'adore les enfants, si vous voulez, mais j'aime que les miens. Voilà. J'en ai pas. Mais ça va venir, je vais les aimer, voilà, je le sais. Seulement les enfants des autres, ça va, je les aime bien, mais loin plutôt, à ce moment-là. À la montagne, comme ça, en haut de la montagne d'ailleurs. Comme ça, monte, voilà, penche-toi, saute, voilà. Là, on rigole, ça va pas, non? On met un filet dessous avant, quand même. On n'est pas des malades, ils vont pas sauter comme ça dans le vide. Sans compter que c'est mignon, quand même, les enfants, c'est vrai, c'est mignon. Hein, c'est mignon, bah oui, c'est mignon, hein, c'est mignon. Évidemment que c'est mignon, c'est fait exprès. Il faut que ce soit mignon. Ah bah oui, parce que sinon, je veux dire, un être humain qui te bave dessus, qui te griffe, qui t'arrache les tétons, qui te montre son caca tous les jours, et qui te réveille toutes les nuits en hurlant, s'il est pas un peu mignon, bim! Ah bah t'as vite fait de le fumer! Enfin non, le vrai problème dans mon histoire, c'est d'être la seule à pas avoir d'enfants dans un groupe d'amis. Vous savez, quand vous êtes la dernière, quand vous êtes The Highlander, hein? Ça c'est terrible, on se sent complètement isolé. Toutes vos copines ont des gamins, pas vous, c'est l'horreur. On se sent perdu, complètement. On se comprend plus, on ne parle plus le même langage avec les parents, comprenez? Moi quand ils me disent, poussette, tire-lait, allaitement, congé paternité, je comprends pas. Et moi non, moi je comprends pas parce que je parle l'autre langue, celle d'avant. Vous savez, l'autre langue, grasse matinée, gueule de bois, vacances à Ibiza, je couche avec qui je veux. Wouh! C'était bien, hein? C'est fini. Et donc la barrière de la langue est trop forte à un moment, on ne peut plus, évidemment, on ne peut plus se comprendre, c'est terrifiant. Puis toutes les conversations tournent autour de ça, c'est terrifiant, même au téléphone. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir une conversation téléphonique cohérente avec une copine quand elle a ses enfants dans les pattes. C'est un cauchemar, ça, c'est impossible. Allô, Nat? C'est Flo, c'est moi, ça va? Je te dérange pas? Non, pas du tout, absolument pas. Comment tu vas, toi? Ben, pas terrible, justement, là, c'est pour ça que je t'appelle. Là, je vais pas bien en ce moment, là, je fais des crises d'angoisse, là, je sais pas ce que j'ai. Ah oui, dis donc, Lola! Ne mets pas le chat dans la cheminée, après, ça sent mauvais. Arrête! Oh, on énerve, hein? Oui, alors, bon, crise d'angoisse. Non, bah rien, juste je sais plus trop comment m'en sortir, alors voilà, je voulais avoir ton avis, je sais plus ce que je dois faire, va mettre une culotte. C'est fou ça. Comment tu sais? C'est dingue. Ça fait trois caméras. Bon, écoute, là j'ai pas envie de rigoler, moi je t'appelais juste pour prévenir que comme ça va pas du tout, et ben cette nuit je risque de faire une grosse connerie, voilà. Pourquoi tu fais ça? Ben parce que je suis à bout. Pourquoi tu mets de la compote dans les fesses de ton frère, Lola? Oh, je te jure, attention, hein. Bon, je vais te laisser là, non? T'as l'air un peu occupé, hein? Oui, non, c'est pas moi, c'est les enfants, ils sont énervés. Bon, en tout cas, je suis très contente pour toi, vraiment, hein, c'est formidable. Extraordinaire. Dis donc, attends, pendant que t'es là, tu veux pas que je te passe la petite? Si, tu vas voir, elle a fait des progrès incroyables. Je vais te passer la petite, ne quitte pas. Non, c'est pas la peine, vraiment. Lola, viens parler à Tata Flo. Viens ici, viens parler à Tata Flo. Ne la force pas, je t'assure. Lola, viens ici, la gamine. J'en ai rien à foutre de Tata Flo, je l'emmerde. Viens lui dire deux mots, c'est pas la peine. Vraiment, j'y tiens pas, bisous. Ah oui, non, arrêtez de nous passer vos enfants au téléphone parce que... on s'en fout, on comprend pas. Donc c'est pas la peine. Hein? Alors, comment marche, qu'il fait... Elle comprend pas, rappelle à 18 ans. Oh, merde. C'est pas possible, l'articulation. Alors donc, je pars en vacances, hein, je reviens là-dessus. Bon, c'était il y a un an, mais je suis encore fatiguée parce que c'était vraiment... Sept couples, sept enfants et moi au milieu. C'était bien, non, c'était sympa. Par contre, il y avait juste un truc que je savais pas, moi, avec les enfants et que j'ai appris là-bas, c'est qu'en fait, c'est eux qui commandent. Non, parce que moi, je croyais que c'était les parents. Je suis con. Non, c'est les enfants qui disent, c'est eux qui disent tout, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, à quelle heure on va à la plage, à quelle heure on rentre de la plage. C'est eux qui décident ce qu'on regarde à la télé aussi. Ah, moi j'ai complètement arrêté Sex and the City, là, je suis accro à Télétoon, là. Quel suspense, hein? Est-ce que Bob l'éponge va coucher avec Barbamama? On ne sait pas.
c'est formidable. C'est eux qui décident de tout, c'est eux qui décident de quoi on parle aussi. Quand il y a des enfants, on peut pas dire des gros mots. Ça fait chier, putain, merde, je savais pas, moi. Par contre, nous, on est obligés de les écouter, évidemment. Hein. C'est mieux. Puis leur connerie avec, hein, parce que franchement, la vérité sort de la bouche des enfants. Excuse-moi, hein. Quand mon petit neveu m'a dit que c'était Gargamel qui avait fini le pot de Nutella, j'avais un doute. Hein? La vérité sort de la bouche des enfants. Non, le vomi sort de la bouche des enfants, mais c'est tout. Bon, arrêtez. Alors voilà, alors nous on est là, on peut pas dire de gros mots comme ça, et on peut pas fumer non plus quand il y a des enfants. Et moi, ma vie en vacances, en fait, j'y réfléchis, elle se résume à ça, en fait. C'est vrai, fumer des clopes et dire des gros mots, je fais ça toute la journée. C'est mes vacances, ça va enculer, tu vas bien? Hein? Vas-y, lève ton cul, va chercher des bières, connard! C'est mes vacances. On s'en fout, c'est les vacances. Oh bah les bières! Tu pouvais toujours les chercher, les bières. J'ai ouvert le frigo, 144 petits yop. Sympa pour l'apéro. Une petite vodka yop. Bon, j'avais les boules. Ah, j'ai chopé une maman, hein, je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, dis donc, machine, les 144 bouteilles de yop là, qui sont dans le frigo, tu les as achetées avec la cagnotte commune, avec le budget de tout le monde? Ouais. Je vais en prendre 16, là, j'ai soif. Et puis, je vais t'en mettre un dans la gueule. Tiens, ça me plairait bien. Hein? Abricot, framboise, qu'est-ce que tu préfères, framboise, hein? Non, je l'ai pas mis dans la gueule, je rigole. Oh, bah non, j'ai mis dans les cheveux, c'est plus rigolo. Oh non, alors cette fois, c'est fini, hein. Là, je repars, mais là, attention, là, j'ai tout changé, là, j'ai changé toutes les règles, hein. Ah non, non, là, j'ai dit, attendez, les gars, cette fois, alors là, d'accord, on repart ensemble. J'ai dit, d'accord, on emmène les enfants, ça, ok, mais on laisse les parents.